Coucou la famille, donc on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau vlog parce que aujourd'hui moi et maman nous allons chez le dentiste. Donc je vous explique, la dernière fois sur l'autre vlog elle s'est fait soigner, d'ailleurs elle avait très très mal. Là aujourd'hui elle va recommencer à se continuer à se faire soigner et moi je vais aller simplement pour un détartrage parce que même si j'ai pas de caries j'ai énormément de tartre. Donc je vais aller pour un détartrage. Et je vais voir si est-ce que je peux pas demander par le appareil dentaire parce que ça va plus là, les dents ça ne va plus. Donc je pense que le budget pour moi il sera explosé pour mes dents, mais bon on verra. Donc on vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors Claudine elle est passée se renseigner pour faire du sport. Regardez le sac qu'elle porte. Oui, sport, c'est trop joli. Ça veut dire qu'on peut venir juste faire une séance pour 5€? Sur place, oui, sinon il y a une première séance offerte sur internet. D'accord, ok. C'est super ça. Donc 5€ pour venir faire. Sur place, on a des séances à 5€. La première. La première séance. Et une autre? Sinon après, c'est 15€. Je pense que pas. Ça va. Ouais, c'est pas. C'est pas horrible. Parti pour une dernière séance. Alors cette fois-ci, je pense que je vais pas avoir trop mal parce que la dernière fois j'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, je pense que ça va aller un peu mieux. Donc, on verra ça tout à l'heure. Mais prépare-toi. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Mais du coup, je vais pouvoir tester si c'est waterproof ou pas. Quand je le dévoile, ça accroche sur mes gants. Donc, je l'aide. Voilà, maintenant c'est le tour de Claudine. Alors, comment tu te sens? Je le traque. T'inquiète, elle fait pas mal. Tu vas faire quoi en fait? Un détartrage. Ok. En plus, je l'ai dit en début de vidéo. Oui, tu l'as dit. Ça te va très bien cette chaise en fait. Cette chaise? Mm-hmm. Ce fauteuil. Mais c'est une chaise ou une fauteuil? Mais écoute, combien? Ah, ça doit coûter cher. Bah, c'est pas tant que ça. Moi. De toute façon, tu veux pas être dentiste, donc je vois pas pourquoi tu demandes le prix. Par contre, il y a déjà des réservations. Ah oui, tu veux faire ça à la maison? Voilà, un challenge. Ta tête. Ah bah écoute, il faut bien qu'on voit tout. Hein. Je m'avance. Oui, on va remonter un petit peu sur le fauteuil pour nous poser la tête un peu plus haut. Voilà, super. Courage. Alors, on va déjà regarder l'autre radio. C'est quoi les dents blanches? C'est toi? Non, mais c'est des dents en mauvais état. Là, c'est pas encore votre radio. Là, on a notre radio, c'est monsieur. Moi, je crains énormément. On va y aller tous les deux fois. Si il y a le moins de soucis, si vous m'arrêtez de lever la main, je m'arrête tout de suite. Alors, on y va. On va se prendre la bouche. Tu me crois encore plus là. Donc là, effectivement, bon, les tartrages, on va pas y échapper parce qu'il y a beaucoup de tartres. Énormément même. Beaucoup de tartres. Mais autrement, vous avez plutôt une belle intuition avec un ménage. Minéralité, fait, il n'y a pas de problème. Pas de carie. Tu vois, tu as de la chance. Un peu par grâce. Je peux encore pas faire un appareil. Il n'y a pas d'âge pour porter un appareil dentaire. Alors, on est parti pour le détartrage. Vous allez voir, ça éclabousse pas mal, il y a beaucoup d'eau. Ça peut être senti parfois pour certaines dents, ça peut lancer des petits coups de jus. Il ne faut pas hésiter à arrêter si c'est le temps en devant la mort. On a parti. Alors, on y va. Alors, cocotte. Ah, j'ai pas mis... Tu es mignonne comme tout, avec tes dents refaites. Ah, mais attends, mon rouge à lèvres, il a tenu. Ah, c'est quelle marque, celle-là? Colourpop. Ah, ok. Je comprends. Nous, on a fini chez le dentiste. Moi, j'ai un peu mal. En fait, j'ai un peu mal... Un peu, mais on va encore me donner des antibiotiques comme la dernière fois et je pense que ça va aller mieux, mais
C'est pas pire que la dernière fois. Non, bah là déjà quand elle va parler, c'est déjà ouais, c'est déjà pas mal. Donc on se retrouve tout à l'heure parce que là on va au centre commercial. Je vais aller régler mon problème de connexion. Donc on se retrouve tout à l'heure. Bon les gars, j'ai pris une enveloppe pour faire une réclamation à la SNCF parce que les trains sont tout le temps en retard. Après, il y a notre train. Viens, maman, de toi. Non, il n'est pas encore là. C'est pas... lui, regarde. Non, mais il va pas partir. Donc on a le temps d'expliquer la situation. Donc, on va m'asseoir et après on... Ah ben on va s'asseoir, t'inquiète, on monte dans le train, on va vous expliquer la situation parce que en ce moment, Claudine, elle est très très chaud. Et moi qui suis en train de parler avec les dents qui font mal. Bon, on va s'asseoir là-bas, cocotte. Donc, du coup, on a pris nos tickets parce qu'en ce moment on prend les transports. Donc, du coup, au guichet, j'ai expliqué au monsieur que chaque fois qu'on prend le train, soit insupprimé, soit au grève, soit en retard, soit elle est prise en cher. C'est abusé. Je vous explique, un ticket, avant c'était à 1,10€, mais là il est à 1,95€. On dirait que c'est quelques centimes, quand tu cumules ça. Ça fait beaucoup. Et les cocottes. Et là, pas peu de temps. Ah non, je crois que c'est minutes. Ouais, cocotte et minutes. Cocotte et minutes. Voilà. Donc comme je disais, cocotte. Oui, minutes. On est au centre commercial. On est vraiment folle hein. Ouais. Non mais c'est un bon délire, attends. Oh mon dieu. Donc on est venu chez... on est venu au centre commercial pour aller chez Free, pour aller se plaindre par rapport à la connexion. Parce qu'on a un gros problème de téléchargement de nos vidéos, vous l'avez constaté. Hier on a téléchargé une vidéo, il était 23h. Donc là on va aller directement arranger la situation chez Free parce que quand on les appelle ils répondent jamais. Alors d'ailleurs, il faut savoir que chez Free ils sont très sympas. Ouais. Une fois que vous explosez on va dire votre 4G, ils vous diminuent carrément. Ça veut dire que même dehors vous n'avez même pas accès au réseau. Donc, ouais, ça c'est vrai. Il faut payer plus cher pour avoir accès. Je témoigne. Ouais, à internet. Je pense que c'est devenu un luxe d'avoir internet sur son téléphone. C'est n'importe quoi. Ah ouais. Alors Coco, tu as bien dormi? Non, j'ai fini mon montage à 6h. Je me suis levée, il était 9h en pensant qu'on avait rendez-vous à 10h alors qu'on avait rendez-vous à 11h. J'aurais pu dormir une heure de plus. Mais bon, c'est pas grave. Moi, si vous voyez, j'ai les yeux enflés, j'ai la tête, j'ai la bouche et j'ai mis de la crème. Donc il ne faut pas penser que j'ai pas mis de la crème, j'ai mis de la crème. Mais je pense que ma crème n'a pas trop hydraté ma peau parce que j'ai quelques... Ouais, j'ai quelques points blanches, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Donc voilà. Hello, hello. Donc là, on se retrouve, on va chez Bershka. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Yes. Alors, Freebox, ils nous ont expliqué tellement de choses. Alors, je vous explique. Hein. Son identifiant, on doit le retrouver, il date de 2013. Donc, je suis une bonne cliente. Hein. Très fidèle. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais vous expliquer ça à la maison, tranquille. Ouais. Mais là, on rentre chez Bershka. C'est trop joli. On vient juste, en fait, par curiosité, regarder un peu. Moins 30% par là. Tu as vu? Ah, moins 30% de l'autre côté, oui. Ça, des fois, il y a des hauts, non? Waouh! Ça va faire presque 5 ans que je n'ai pas porté de couche. Je suis pas prête. Moi, je dis rien. Tu veux pas qu'on prenne des enfants de sport? Faut aller faire du sport? Hein? Mais oui, en plus. Oh là là. Alors, qu'est-ce que tu as, petit bout d'amour? Il est malade. Ouais, il est malade. Et là, il m'a mis les céréales. Je pense qu'il a rattrapé un petit coup de froid. Du coup, il se sent pas bien. Ouais, il est enrhumé. Et aussi, à l'école, ils nous ont, enfin, quand on est sortis de l'école, ils nous ont distribué des petits bonbons au chocolat pour la fin de... parce que Pâques, il arrive. Ouais, c'est ce week-end, d'ailleurs. Donc là, tu vas manger tes petits céréales au lion? Oui. Oh. Sinon, ça a été à l'école aujourd'hui? Oui. Vous avez bien travaillé? Oui. Tu as des devoirs? Oui. Je vois ça. Oh. Comment ça s'est passé ta journée? Ça s'est très bien passé, ma suite. Tu as fait quoi et quoi? J'ai reçu mes cours Parcoursup, mes deux Parcoursup, puis un peu cours d'histoire, un petit peu cours
mes vœux Parcoursup. Oh, ouais. Une des devoirs. Évaluation de mes vœux Parcoursup. Voilà. Ok, bon, on te laisse. Je ne comprends pas les gens qui mettent le lait et après les céréales. Ouais, alors déjà, ceux qui sont team lait avant les céréales. Pourquoi toi tu fais ça? Je ne parlerai même pas avec vous. Ah, c'est un genre de spécimen très spécial quand même. Ouais, c'est les céréales. Ah, j'ai trouvé, c'est quoi? C'est des extraterrestres pour toi. C'est les céréales, regardez comme ça. Petit tuto pour ceux qui ne savent pas. Après, tu prends le lait. Et tu le verses délicatement pour qu'il embrasse le céréal. Voilà comment ça se passe. Pas autrement. Et tu fais comme ça sinon si t'as pas envie qu'il s'embrasse. Bon voilà, c'était la petite appréciation. Ah. Eh bien, on va te laisser goûter, d'accord? Yes. Alors, Coco, tu fais quoi? Donc là, je suis en train de me taper des replays parce que vu qu'on travaille énormément sur toutes nos chaînes, nos réseaux, bah, forcément, on n'a pas beaucoup de temps. Donc le peu de temps qu'on peut avoir, j'en profite pour me taper des rediffusions. Faut dire que là, il est tard. Il est déjà 1h du matin avant de finir un tournage. Ouais. Mais bon. On a décidé de faire ça. Oui, c'est notre métier aujourd'hui. Hein. Ah bah oui. Donc sur Free, enfin chez Freebox, pardon, ils nous ont expliqué tellement de bêtises. Et en plus de ça, pas des bêtises, pardon, parce que la dame qui nous a conseillé était très sympa. Donc ils nous ont expliqué pas mal de choses. Mais surtout quand on essaie de contacter le service client, la dame nous dit... C'est sans prétention, mais nous sommes victimes de notre succès. Donc... C'est vrai, elle nous a dit soit ça. Soit tu appelles entre 7h et 8h pour être tranquille, ou sinon après 20h jusqu'à 22h. Parce que c'est les horaires où les gens ne pensent pas que c'est ouvert. Donc franchement, c'était très 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 compliqué. Mais pour l'instant, toujours pas de haut débit. Vraiment, oui. Et toujours en galère. Donc on vous fait plein de bisous la famille et puis on se donne rendez-vous lundi pour un nouveau vlog. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bisous bisous. Bisous.